Aujourd'hui, l'enjeu pour les Jeux paralympiques, c'est d'arriver à engager la population autour de cet événement qui est unique. C'est la première fois depuis 2012 qu'on retrouve les Jeux paralympiques et du coup olympiques en Europe. C'est également la première fois qu'on aura des Jeux paralympiques dans un pays francophone. Donc, beaucoup de pays attendent énormément de cette compétition. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir engager la population et laisser un héritage durable, tout en respectant le besoin de livraison des Jeux extraordinaires, avec bien sûr le transport des personnes en situation de handicap et des athlètes, et de réussir la transition en plein été, en pleine période de reprise scolaire, d'arriver à livrer un événement sportif mondial, le troisième événement sportif mondial aujourd'hui reconnu, dans des conditions de reprise de la rentrée scolaire. Les changements qui peuvent s'opérer, ils sont vraiment liés aux opportunités des Jeux paralympiques que sont aujourd'hui d'arriver à laisser un héritage, au-delà bien sûr de la livraison de la compétition au bénéfice des athlètes et ensuite des spectateurs, c'est de pouvoir laisser un héritage matériel qui va permettre aux personnes en situation de handicap de plus pratiquer du sport, d'être plus visibles et également d'être invisibles dans leur handicap puisqu'elles demandent aujourd'hui d'être visibles par leur performance mais invisibles dans leur handicap. Et ça, c'est important de pouvoir laisser cet héritage grâce à tout le travail que nous menons en termes de communication et de visibilité des Jeux paralympiques, de connaissance des athlètes paralympiques qui demain seront les stars des personnes en situation de handicap pour pouvoir les inciter à faire pareil et avoir les mêmes gestes. Donc l'héritage est immense en termes de capacité à pouvoir changer le regard de la société et demain permettre à tout le monde, au-delà du sport, d'accéder facilement à l'emploi et de pouvoir mettre en œuvre les talents.